prions de bien vouloir vous lever pour communier voilà, autour de l'hymne national de la Namibie. Content pour les va démarrer dans quelques minutes seulement, un match qui sera arbitré par un duo libérien et complété par un malien, Moses Forkpa du Liberia, Joël Wanka Dewe du Liberia également et Amadou Beligissé du Mali. Voilà donc le trio arbitral de cet après-midi. Alors, on va très rapidement nous pencher sur le 11 de départ de cette équipe du Sénégal avec dans les buts Gilbert Correa, en défense Abdoulaye Faye, Mohamed Fall, Djibril Diarra, Eladji Diagne, Ibou Sané. Au milieu de terrain, le capitaine Amadou Diop, Serigne Faye, Momodou Nying. Alors, je pense que la liste là, elle est quand même assez mal. Bon, allez, oui, allez, dans les buts, il y a donc Diop plutôt. Fall et Diouf en défense centrale. Dien, Amidou au milieu avec Ndiaye, Nying et Nyan. Et puis en attaque, Ousmane, Sané et Mam. Ce sont les noms qui figurent sur les maillots. Amidou, c'est le capitaine de cette équipe du Sénégal que vous voyez justement échanger les maillots, les fagnons avec le capitaine gambien. On ne se serre pas la main, c'est le protocole sanitaire qui veut ça, même si tout le monde a été testé. Et il est évident que tous ceux qui sont là ont été testés négatifs. Allez, on parle à présent du 11 de départ de la Gambie avec... dans les buts, le numéro 18, Kerba Sonko. En défense, il y a Mamadou Kanté comme latéral et Mohamed Maré. Dans l'axe central, il y aura Jim Jeng et Sana Sissé. En défense, au milieu de terrain à 3 avec le numéro 16, Mohamedou Badjo. Le numéro 6, Sana Sambou et puis Keba Ndiaye. Et puis en attaque, une attaque à 3, composée de 3 attaquants avec 2 excentrés.
le numéro 9, Adama Boyan, c'est le capitaine, justement, avec Bakary Diatta, qui vont donc assister Momodou Maron à la pointe de cette attaque des Scorpions de la Gambie. Et ce sont d'ailleurs eux qui vont donner le coup d'envoi de cette partie. Et voilà, c'est parti, la première possession donc pour les Gambiens qui dégagent. Je rappelle qu'on joue à Thiès au stade La Dior, qui, vous le verrez peut-être sur les images, est en train de subir quelques améliorations, on va dire. Puisque vous voyez sur dans les gradins, on est en train d'installer des chaises, ce qui va évidemment améliorer le confort pour les téléspectateurs qui font le déplacement pour venir regarder les matchs. Donc ici à Thiès. Allez, la possession pour les Gambiens, la remise en touche pour le capitaine qui a essayé d'éliminer. Il profite d'un contre-favorable, il va réussir à centrer. Le ballon qui passe au second poteau et voilà, de façon intelligente, Amédou, le capitaine de l'équipe du Sénégal, Amédou Diop, laisse ce ballon sortir. C'est reparti. Côté Sénégal. Et là, Diouf. Il est bien qu'il tout de suite mettre la pression. Attention, il a réussi à trouver Tien, Raoul Tien. La remise du capitaine Gambien, le contrôle, la récupération, le débordement et le tacle pour mettre le ballon en touche du latéral gauche Gambien, Mohamed Maré. Sénégal est coaché par Malick Diaf. Malick Diaf qui est un peu comme Youssouf Dabo, qui a un temps de réflexion pour choisir entre la sélection nationale des U17 et le Tiaraf de Dakar. Allez, on imagine que s'il parvient à se qualifier en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie, il devrait sans doute coacher l'équipe, mais après ce sera une autre affaire. Et le premier corner du Sénégal obtenu par Mam Fay. Le corner qui va être exécuté par Nian Modou Nian. Allez, c'est parti, le centre, au point de pénalty, c'est tête gambienne, mais ça revient dans les pieds de Sénégal et la frappe complètement dévissée. Alors, le ballon qui n'est pas sorti, le centre à nouveau, alors retombé, la tête derrière. C'était Ousmane Diop qui a mis la tête, mais malheureusement, elle n'est pas cadrée. Le gardien gambien va donc pouvoir se dégager, Keba Sonko. Je rappelle que ce sont des U17, hein, des moins de 17 ans, ils ont entre 15 et 16 jusqu'à 17 ans maximum. L'équipe des U17 sous l'air Malick Diaf a pu disputer la Coupe du Monde. Cannes aussi. Pour l'instant, elle est un peu à l'image de nos autres sélections. Pour l'instant, pas de trophée. Alors qu'on se rappelle, il y a un an en Tanzanie, elle était partie pour être... ouais, ça c'est un gros coup franc intéressant. C'est une équipe qui était partie pour porter le titre. Hein. Elle était favorite, mais malheureusement, peut-être l'excès de confiance a fait que le Sénégal a été éliminé.
Même si après, au final, les Lyonceaux se sont retrouvés à la Coupe du Monde, puisque la Guinée qui les avait éliminés avait triché, c'est le mot, hein, sur l'âge des joueurs, ce qui avait donc permis au Sénégal de participer, de faire une très très bonne participation à la Coupe du Monde des U17. Coupe du Monde qui avait révélé un certain Erling Haaland, qui, on se souvient, avait mis 9 buts lors d'un match, lors du match Norvège-Honduras, remporté par la Norvège 12-0. Allez, ce coup franc très intéressant qui va être exécuté par Mam Maudo. C'est parti, et le gardien qui s'est saisi du ballon, c'était cadré. Bien parti cette frappe de Maudo Dien. On revoit le ralenti, cette superbe frappe de Maudo Dien, bien captée par le portier Cambien Keba Sonko. On dit qu'il y a beaucoup de vent ici à Thiès. C'est encore plus visible ici au stade, qui est un espace ouvert. Attention à ces genres de passes dangereuses. Je pense que ceux qui ont vu avant-hier le match qui a opposé le Maroc au Cameroun, la demi-finale du Chan, ont vu que ça a coûté cher aux Camerounais, ces genres de passes latérales mal assurées. Allez, le débordement, il n'y a pas de faute. Le centre en retrait, ça revient dans les pieds d'un Sénégalais. La frappe et l'ouverture du score. Le premier but du Sénégal après seulement 7 minutes de jeu. Marqué par Ning. Momodou Ning pour le score pour le Sénégal. Magnifique après seulement 7 minutes de jeu. Allez, superbe action, le débordement dans un premier temps de Sané qui a réussi à éliminer le défenseur Ibou Sané, qui a réussi à éliminer le défenseur gambien, le centre en retrait, même si le premier destinataire se loupe, mais là il est là, Ning, pour contrôler et puis sans doute le rebond. Il y a une petite faute de main du gardien qui apprécie mal ce ballon. Là on revoit le centre en retrait, tout le monde passe dans le vent, mais le contrôle de Ning qui spontanément frappe et le rebond qui va sans doute qui gêne le gardien. Allez, ça repart, Ibou Sané encore qui réussit à déborder le latéral gambien, le centre, la tête, ouais, c'est une tête mal assurée. Je pense qu'il n'y croyait pas forcément beaucoup. C'était encore Ning d'ailleurs. Ibou Ning, le buteur. Ibou Ning, voilà, plutôt, autant pour moi. Allez, déjà 1-0 donc pour les Lyonceaux du Sénégal qui démarrent fort bien face à la Gambie. Allez, dans ce tournoi, tous les matchs sont importants, tous les points, puisqu'il n'y a que 3 équipes dans chaque poule. Et rendez-vous compte, une défaite est quasiment synonyme d'élimination, en sachant que bon, les deux équipes qui termineront en tête de chaque groupe vont disputer les demi-finales. Donc il est important de prendre des points. Et ce qui est intéressant avec Malick Diaf, c'est qu'autant avec nos sélections U17, ces équipes sont très joueuses, autant avec le Diaraf par contre, c'est des matchs qui se jouent à l'expérience. Je me souviens d'ailleurs quand le consultant David Bey disait que quelque part le Diaraf avait un peu perdu sa... peut-être pas perdu, mais le Diaraf qui a toujours été une équipe très joueuse, mais avec Malick c'est une autre paire de manches, une équipe qui lui arrive quand même d'attendre ses adversaires avant de procéder par contre. Mais bon, contre Tanguy Diepsé le week-end dernier, ça n'a pas été forcément le cas, hein. Le Diaraf a plutôt très bien joué contre le Tanguy avant de s'imposer. Aujourd'hui, demain, lors de la 6e journée, ils devraient jouer sans leur entraîneur, donc Malick Diaf. Mais il a de très bons adjoints
Havre vient de suppléer en championnat. La remise en jeu. Nigue, le buteur. Et la chute. Jouer. Bonne feuille. Là. Voilà, perte de balle. Et après, ouais, un peu d'agressivité. C'est normal quand on perd le ballon. Non. Il faut se battre. Pas juste laisser l'adversaire partir avec. Attention à ne pas trop s'emballer face à une équipe comme la Gambie. C'est des équipes qui jouent bien et qui prennent toujours très au sérieux les matchs qui les opposent au Sénégal. Des équipes comme la Gambie, la Guinée ou encore le Mali, c'est le vrai derby. Et voilà, justement, ils vont réagir, essayer de revenir au score. Pas de faute, la bonne récupération. Et on joue tout de suite le contrôle manqué. Ballon qui est récupéré par les Gambiens. Foucault avec un tacle de récupération. Tiens. Non, si on ne pas perdre le ballon au milieu de terrain, c'est fait. La récupération pour les Gambiens qui vont essayer de repartir. Le capitaine est au foot. Faute de Modougnan sur 13 Keba Ndiaye. Keba Ndiaye, on va dire, mais bon, on va le prononcer. Parce que c'est Ndiaye, mais écrit en anglais. Voilà, le terrain gambien. L'avantage devant. Capitaine, Madame Bojan. Fort. Aussi. Avec ce vent, il vaut mieux mettre les ballons dans les pieds. Sané, voilà le ballon qui revient. Poser le ballon et jouer le dégagement. Le ballon qui n'est pas sorti. Et là par Keba Sonko. Alors, petit souci puisque Ibou Sané apparemment s'est fait mal à la cheville. Espérons que ce ne soit pas très très grave. L'attaquant de pointe de cette équipe du Sénégal. Sénégal qui a perdu des joueurs enfin, dans la catégorie. Très très intéressant. On pense à Baldé, désormais ancien sociétaire de Djamba, puisqu'il est. Alors là, on revoit. Ouais, je pense que c'est sur la retombée qui fait un peu mal à la cheville. Sané, c'est donc Baldé qui est l'ancien de Djamba, le désormais ancien de Djamba, qui est parti du côté de Feyenoord de Rotterdam aux Pays-Bas. Il y a également Ibrahim Tramé parti en Autriche, et puis Ousseinou Diaye qui est Ténian, qui est donc qui s'est blessé, qui s'est fracturé la jambe il y a quelques mois, mais qui se remet puisqu'il reprend progressivement les entraînements avec le Djaraf de Dakar. Le Djamba plutôt de Sali. Il devrait très vite retrouver
des pelouses. Oh, le gros tacle par derrière. L'arbitre qui laisse l'avantage, le débordement de Dijay. Là, je pense que El Hadjiou s'en sort plutôt bien parce que l'arbitre aurait pu revenir sur la faute et donner un carton. C'est quand même un gros tacle par derrière. Le voilà, El Hadjiou va balancer le ballon très loin. Ce sera une touche en faveur des Lions. Touche obtenue par Ousmane Diop. Vous voyez, Maodo Dien qui demande à tout le monde de se calmer. C'est vrai, pas de raison de se précipiter. Ibusane hein, qui a tenté le petit pont face à Jim Dien. C'était pas... Le jeune Cambien ne s'est pas laissé piéger. Le débordement, le centre. Ouais, qui réclame une faute de main. Oui, bien vu par l'arbitre. Ça, c'est un coup franc très intéressant. Alors, il y a deux joueurs sur le ballon. Maodo Dien, c'est l'autre. Il va s'occuper de poter ce ballon. Maodo Dien. C'est parti. Tête cambienne pour sortir ce ballon. Ballon qui est remis. Ça va être récupéré peut-être par Dien. C'est bien fait. Attention. Ah, gros tacle. Mamdien, mais qui résiste, qui va bénéficier d'un contre favorable. Il essaie de déborder. C'est bien joué. Il passe en revue le défenseur. Le ballon qui est finalement sorti. Il franchit la ligne. Et on se dégage très rapidement du côté gambien. Le duel aérien perdu. C'est récupéré par Maodo Dien. Le ballon qui est repris par la Gambie. C'est parti avec Adama Bojan qui va centrer. La défense qui a des difficultés à se dégager. Finalement, ce sera un corner. Ouais, non, une sortie de but finalement, puisque effectivement, on a l'impression qu'il dégage un peu le ballon dans les pieds du jeune gambien. Là, on aperçoit Abdoulaye Bojan. C'est le capitaine de cette équipe gambienne. On revoit. Le centre à terre, le ballon qui touche. Ouais, finalement, c'est effectivement le pied du jeune gambien qui met ce ballon en 6 mètres. Bojan. Ouais, gros tacle. Ça revient avec Jim Dien. Il joue au milieu. Un duel emporté par le jeune gambien Maodo Mahamadou Badjo. Jim Dien. Un jeu de la part de Sana Sambou. Opération. Le buteur de ce match en Mauritanie qui lance Matignan, le centre, ça revient, le ballon qui n'est pas encore sorti, on se bat entre Amfei qui rejoue pour son latéral, ça c'est bien joué, la petite combinaison, le centre, ce sera un corner, ça c'était très bien joué. Un jeu à trois avec Amidou Diop, le capitaine. Les jeunes Lyonceaux dans le centre a été détourné en corner. Corner qui va être exécuté par Fay. C'est dégagé par la défense de la gauche. Fall. C'est bien joué. Lance Manfei, le centre, dégagement du défenseur gambien. Ça c'est bien joué. Ousmane Diop a essayé de passer. On se dégage du côté de la Gambie. Ouais, l'arbitre gêne un peu le dégagement à la terre. Maintenant, on a de plus en plus tendance à constater l'arbitre à chaque fois qu'il
empêche un peu une action de se dérouler. Il revient. Allez, attention, Amikou, bon retour de la défense sénégalaise. Et on repart avec Ousmane Diop, bien vu, qui lance Moussané. Moussané qui a de l'espace, qui va défier le défenseur gambien. Bien défendu. Marais. Ying et Odunian. Le ballon qui n'est pas sorti. Ça joue. Odunian qui va entrer dans la surface. La frappe à terre, la frappe croisée. Il ne trouve pas le cadre. Il y avait de l'idée. Dans ce qu'il a fait, c'était bien tenté. Il aurait pu effectivement prendre à contre-pied l'arbitre, l'entraîneur, le gardien plutôt. Vraiment, Bouk va dire que Thierry Nodram est à faim puisqu'il n'a pas mangé à la pause à l'heure du déjeuner. Mais c'est pas ça. Je te rassure, Ibrahim. Hors-jeu, tour de position. La sortie de but en faveur du Sénégal. Je disais tout à l'heure que le protocole sanitaire est bien respecté. Après cela, il y a quand même un peu de monde. C'est pas les supporters, hein, puisque ça, les matchs se jouent à huis clos, mais les autres délégations, les autorités, mais également des recruteurs aussi, venus superviser ces jeunes U17 déjà. Alors, grosse faute, sifflée par l'arbitre, c'est Sana Cissé, qui est resté au sol. Ouais, excellent engagement de la part Moudou-Lignan. Les autorités également qui sont là, puisqu'on aperçoit l'occasion de voir le ministre de l'urbanisme, l'habitat Ablaye Sow, également vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Allez, les Gambiens qui tout de suite mettent la pression, qui sont restés dans la zone sénégalaise. Ça peut être fait, même si là, les défenseurs sénégalais profitent d'un contre-favorable. Là, ils vont se dégager. Ouais, ce sera touche le dégagement d'Aliou Diop. Un peu de mal à déborder le jeune latéral sénégalais. La pression des Gambiens, ça c'est bien joué. Allez, c'est peut-être le bon moment pour essayer d'égaliser. C'est toujours bien de marquer avant la pause. Avec votre petite poussée dans le dos. C'est rapidement joué. Ça c'est vraiment de la précipitation, c'est pas la peine. Parce qu'il y a eu le temps d'irriter Malik Daf. Jim Jang. Attention. La pression de Moussané. On va essayer de pousser le défenseur à la faute. Lointain qui va sortir en touche. La remise va être effectuée par Amidou Diop. Il
rappelle que ce tournoi est qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer donc au Maroc. Ce sera au mois de mars. Un tournoi qui devrait consulter avec l'élection présidentielle à la CAF. Présidence de la CAF. On discute beaucoup et d'ailleurs à ce propos, je pense que le président de la Fédération sénégalaise de football, candidat à l'élection, Maître Augustin Senghor, est à Yaoundé où il devrait également animer une conférence de presse pour décliner son programme. Les jeux, les alliances qui continuent, les déclarations d'intention. Hier, on a eu le président de la Fédération burkinabé de football qui a opté pour le candidat ivoirien Jacques Anouma. Attention, on va sur cette action. Gros souhait de l'arbitre qui ne dit rien, qui demande même les 6 mètres. Mais attention quand même. Là, on voit. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a absolument rien du tout, il ne touche pas. Mais très jeune, mais futé, le jeune attaquant gambien. Mais l'arbitre ne s'est pas laissé prendre. Interception et Boussané. C'est bien joué, peut-être le deuxième but. Super, magnifique but de Boussané. Magnifique. Oh là là, elle salto ensuite derrière. Magnifique. Deuxième but, 2-0 après seulement 27 minutes de jeu pour le Sénégal. Et je ne sais pas si Mahdia peut nous montrer l'image. Malick Diaf qui, malgré le deuxième but, n'est pas satisfait. Il est même en train de danser un de ses joueurs pendant que les autres sont en train de célébrer. Alors on revoit. Allez, le petit geste pour éliminer le gardien, le crochet extérieur du droit. Et puis voilà, on cadre. Magnifique. Magnifique but d'Iboussane, qui est parti pour être l'homme du match. Ah, et là, c'est en plus Mamadou Ning qui lui rend un peu la politesse, puisque ce dernier lui avait offert le but lors de l'ouverture du score. Et là, Iboussane qui lui rend. Lui aussi marque son but grâce à donc une passe de Mamadou Ning et le Sénégal qui fait le break après 26 minutes de jeu. 2-0. Passe à la Gambie. Tentative de débordement. Modou Maron qui s'est effondré. Réclamé une faute. Faute de Maoudou Dien, auteur d'un très beau coup franc tout à l'heure, même s'il n'a pas marqué. Allez, on va essayer de se réveiller du côté de la Gambie. Keba Dje qui va botter ce coup franc. Vous voyez hein, sur l'image, le maillot du jeune Gambien. Dire. Le vent souffle un vent assez fort ici dans l'antre du stade Ladjor. C'est parti, la tête d'un Gambien, le ballon qui passe devant les buts, gardé par Alioune Diop. Attention, s'il y avait eu quelqu'un pour mettre le pied, il aurait sans doute mis en difficulté le jeune portier sénégalais. Malheureusement, personne n'a suivi. Et c'est bien un Gambien qui a mis la tête, le capitaine. Vous voyez, hein, si vous apercevez un peu les tribunes du stade Ladjor, il y a changement. On est en train d'installer des chaises pour les tribunes 1, 2, 3. C'est déjà fait. Il ne reste plus que la tribune nord-est et la tribune couverte. Et sinon, les tribunes découvertes, les virages sont toutes désormais équipées de sièges. Et en face, la tribune jaune, on aperçoit un peu. Stade Ladjor s'est disposé de façon à ce qu'on puisse lire le nom du stade. Ladjor donc.
ce sera peut-être très rapidement à l'issue de ce tournoi, puisque là aussi, on le rappelle, le Sénégal n'était pas censé organiser ce tournoi. C'était la Sierra Leone qui devait le faire. Finalement, elle a dû décliner puisqu'il y a un problème de logistique. Vous savez, hein, pour les petites catégories maintenant, c'est une exigence de la CAF de faire des tests IRM avant de procéder avant de valider les listes pour éviter toute fraude. Et donc ce genre de test n'était pas disponible en Sierra Leone. Là aussi, la pelouse pose problème. C'est donc au pied levé vraiment que le Sénégal a accepté d'organiser ce tournoi. De toute façon, depuis d'ailleurs le début du Covid, le Sénégal a pu organiser beaucoup de tournois qui se sont plutôt bien déroulés. Des raisons pour lesquelles la CAF a encore une fois fait confiance au Sénégal. Ça, personnellement, je pense que c'est un. Ça peut être un atout de campagne pour Maître Augustin Senghor. Même si ce n'est pas assez. Évidemment, en termes d'infrastructure, ce qui passe à Djamniadio, sans doute ont dû se rendre compte de l'état d'avancement des travaux du stade du Sénégal. Ça avance vraiment à vitesse grand V. Attention, le gardien gambien qui a failli se trouer. Keba Sonko qui a mal apprécié le ballon. Sans doute, c'est sans doute dû au vent. Allez, les Gambiens qui essaient de se réveiller, qui essaient de mettre la pression. Attention à ne pas se tromper. Et l'arbitre qui a sifflé une faute. C'est bien vu. Je pense qu'il y a une petite poussette pour déstabiliser le défenseur. Ouais, c'est ça. L'attaquant gambien, Modou Marron, c'est un peu appuyé sur le défenseur sénégalais. Pour l'instant, c'est un match qui est plutôt bien maîtrisé. On repart. Ousmane Diop. Ousmane Diop va essayer de déborder. Face à deux défenseurs, il garde quand même le ballon. Ousmane bénéficie du soutien de Maodo Dien. Maodo avec Diaye. Diaye qui rejoue derrière. On va essayer de repartir de zéro. Les Gambiens sont quand même installés. Ils sont 6 hein, dans la moitié de terrain sénégalaise. Normal, c'est de bonne guerre. Il faut essayer de tout de suite mettre la pression sur l'adversaire, de pousser à la faute, parce que à chaque fois qu'il dégage, à chaque fois que les Sénégalais dégagent, le ballon est ralenti par le vent. C'est peut-être pourquoi l'entraîneur gambien leur a demandé d'occuper la moitié de terrain des Lyonceaux. Évidemment, pour l'instant, ça ne paye pas, hein, puisque au tableau d'affichage, c'est eux qui sont menés et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu la moindre occasion, des demi-occasions, peut-être une demi-occasion sur le corner, mais pour le reste, Alioune Diop n'a pas encore été mis en danger. Et c'est Ibou Sané qui repart. Et le soutien, c'est bien joué de la part de Mamfei, ah, c'est dommage, pendant qu'il franchit la ligne. Sané est vraiment auteur d'un très très beau but. Voilà qu'il ne sort pas. Aucun. Hey, attention. Faut pas se mettre en difficulté. Ça c'est bien. C'est bien encore. Le ballon qui sort. Il sort, dommage. Ousmane Diop qui a fait l'effort
d'aller chercher ce ballon. Tout à l'heure, il y aura un deuxième match ces temps-ci. On est très foot sur les antennes de la RTS. Parce qu'en dehors, évidemment, de ce tournoi, suivez en même temps que nous le CHAN qui se déroule actuellement au Cameroun. Le CHAN, on connaît. Allez, on va suivre d'abord cette action. Le centre et le doublé. Le doublé pour Ibrahima Sané, grâce à ce magnifique débordement et le centre de Mamfay qui permet donc au Sénégal de mener 3-0 après seulement 35 minutes, un peu plus d'une demi-heure de jeu. Un score largement mérité au vu de la prestation de ces jeunes lionceaux. Là on revoit, il n'y a pas d'hors-jeu. Regardez, il temporise à l'expérience, il regarde l'appel, magnifique. L'appel qui au départ n'était pas très franc de la part d'Ibou Sané, mais c'était de l'intox, puisqu'il met un coup d'accélérateur pour ensuite reprendre ce ballon, pied droit, et donc signer un doublé, et surtout le troisième but du Sénégal, qui donc mène 3-0 après 37 minutes de jeu. Dans cette partie. Et ça, c'est vraiment un coup dur pour ces Gambiens. Et mener comme ça 3-0 après à peine un peu plus d'une demi-heure de jeu. N'empêche, il continue à mettre la pression. C'est très bien joué. La Jouf. Et revoilà, ils repartent à l'assaut. Allez, faute de Pape Ndiaye. Faute de Pape Ndiaye sur Mahamadou Badjo. Alors, en train de parler du programme foot sur la RTS. Aujourd'hui, évidemment, deux matchs. Hein. Un deuxième à suivre à 17h qui va opposer la Sierra Leone à la Guinée-Bissau. Et puis, demain, à partir de 12h30, attention, encore une action. L'arbitre qui demande à Mamfay de se relever, je pense qu'il aurait pu servir Ibou, qui était bien placé, très seul d'ailleurs au point de pénalty. Et il a cherché le pénalty, malheureusement. L'arbitre ne l'a pas suivi. Là, on revoit. Ouais, bon, il le touche légèrement, pas assez, vraiment pas assez pour siffler un pénalty. Alors donc disais-je tout à l'heure, l'autre match va opposer donc la Sierra Leone à la Guinée-Bissau. Et demain, la réduction du score du côté des Gambiens. La réduction du score sur cette belle frappe. Mais alors, très très belle frappe, quasi inattendue. Alors c'est pas lui le buteur. Regardez, j'étais en train de regarder le programme du week-end sur la RTS. Il me semble que c'est Mahamadou Badjo. Le rebond qui gêne la sortie d'Aliou Diop. Ouais, c'est bien le Mahamadou Badjo. Attention, les Sénégalais qui repartent à l'attaque. Le ballon qui sort en 6 mètres. Mahamadou Badjo qui permet à la Gambie de réduire le score. La 40e. Et comme quoi,
faut jamais se décourager. Si le Sénégal a réussi à mettre 3 buts en une période, eux, ils peuvent en mettre autant. Si ce n'est dans une même période, ils ont encore quelque chose comme une cinquantaine, presque une heure pour essayer de revenir. Donc aux Lyonceaux d'être prudents, de ne pas trop s'emballer et de rester vigilant derrière. Parce que personne n'est à l'abri d'un rebond par exemple, comme ce qui est arrivé tout à l'heure. Amédo joue avec son gardien à Alun Diop, il faut dégager, voilà, c'est fait. Voilà, qui revient dans les pieds de Gambier. Et on va aussi saluer l'audace de Mohamed Badiou qui à 35 mètres n'a pas hésité à essayer le grand pont d'Iboussane. Mais Mohamed Mara, arrêt qui ne tombe pas dans le piège. La récupération de Fall. Ousmane Diop. Ah, ça c'est bien l'appel. Iboussane n'est pas hors jeu pourtant, mais Sonko, Keba Sonko, bien anticipé. Allez, pour revenir sur le programme de demain, à partir de 12h30, donc la première ligue avec la team GPS au grand complet. S'il plaît à Dieu, le match entre Aston Villa et Arsenal. Attention, oh, petite mésentente entre les deux, la frappe contrée dans la défense sénégalaise. Et ensuite, à partir de 16h, la Ligue 1 qui revient avec le match de la Espoir. Je donnerai l'affiche tout à l'heure. Et Oussane. Oussane qui passe. Et Oussane, toujours le tacle. Ah. Que va dire l'arbitre? Faute, bah, c'est une faute touche, je pense qu'il a dit touche. Alors le match de samedi, ce sera donc la sixième journée du championnat. On va opposer l'AS Douane à Dakar Sacré-Cœur. En direct donc sur la RTS, deux matchs d'affilée. Et puis dimanche, Inch'Allah, à 19h, la finale du Chan qui va opposer donc. Alors là, c'est évidemment Alassane Dour, ancien international. Je rappelle également la présence du ministre de l'Habitat. Ablaïso, les arbitres, les officiels de la Fédé. Merci. C'est donc une remise en jeu, une touche pour le Sénégal. Non. Ouais. Une autre touche. Touche encore. Retouche. Troisième touche d'affilée pour les Lions. Les Lionceaux. Qui évidemment souhaitent de devenir des Lions. Comme certains de leurs aînés l'ont fait. On pense notamment à Crépin Diata, à Ismaël Lessard. Hey, il faut ça, c'est bien joué. Il faut aussi. Sera annulé parce qu'il y avait une petite faute, dommage. Et dégagement du côté de la Gambie. C'est récupéré par Ousmane Diop, il n'y a pas de faute. Je vais avec Bojan. C'est bien défendu de la part de Fall, Mamadou Fall. Mamadou Nian, ouais, dommage, trop fort, trop fort. Je pense que c'est. Et
commence à fatiguer. En tout cas, il ne reste plus que quelques secondes à jouer dans cette première période. Ouais, c'est dommage, hein, ce but. Quand bien le gardien sénégalais ne fera pas de clean sheet. Après, à lui, on ne fera pas grand reproche parce qu'il est énormément gêné par le rebond. Et c'est surtout les défenseurs et peut-être les milieux défensifs qui n'ont pas sécurisé suffisamment pour empêcher Badjo de frapper. Le point qui arrive directement dans les bras d'Alun Fall. Il y aura 2 minutes additional time, 2 minutes. Ouais, très intéressant ce jeune joueur. Mamadou Ndjing, très habile, hein, ballon pied, il est capable de. On voit qu'il fait de très beaux contrôles orientés, se retourne sur lui-même et grosse faute derrière de Jim Jiang, qui avait été éliminé par la déviation d'Ousmane Diop, petite aile de pigeon. Là, il lui prend. D'ailleurs, les deux pieds, pas seulement le pied d'appui. Pour l'instant, un match qui se joue dans une ambiance bon enfant. Il n'y a pas de geste de mauvaise humeur ou d'agressivité. Pour un derby entre Sénégalais et Gambiens, peut-être c'est au niveau des seniors ou des catégories plus. Comme les U20 par exemple, ça avait été quand même assez chaud, hein, il y a quelques mois entre le Sénégal et la Gambie. Mais ça, je pense que c'était plus la faute de l'arbitre qui, on le rappelle, avait sifflé 3 pénalties en faveur du Sénégal. Bon, 2 pénalties qui étaient quand même assez justifiés. Un troisième, bon, pas forcément très, très, très justifié. Un arbitre qui d'ailleurs était Sierra Leone. Le Sénégal s'était imposé 4-5-1 avant d'être battu en finale à la séance des tirs au but par cette même équipe de la Gambie, qui a donc pris la place, la seule et unique place qui était disponible pour la Coupe d'Afrique des U20. Attention, c'est bien joué, pas de faute. Pas de faute demain, on reverra sur le ralenti. Et voilà, c'est la fin donc de cette première période. 3-1 en faveur des Lionceaux du Sénégal face à la Gambie. 3 buts marqués dès la 7e minute par Mohamedou Ndjing, donc, qui a ouvert le score sur une passe d'Ibou Sané. Le même Ibou Sané qui, quelques minutes après, inscrit un magnifique but pour faire le break. Et puis après, à la 36e, Ibou Sané, encore lui, bien servi par Mamadou Faye, tripler la mise avant que les Gambiens ne réduisent le score grâce à Mohamedou Badjo. Donc 3-1 entre Gambiens et Sénégalais après 45 minutes de jeu. Le plus dur est fait, c'est-à-dire ouvrir le score et bien évidemment dominer puis marquer. Et donc on va retrouver Louis-Philippe avec Malick Daff sur la pelouse. Voilà, coach Daff, on va recueillir votre première impression. Le Sénégal mène par 3-1, hein? Déjà un score quand même prometteur. Ouais, d'accord, c'est un score prometteur, mais je pense que rien n'est encore fait. Donc on joue contre la Gambie, la Gambie reste toujours la Gambie. C'est vrai qu'on a fait une bonne entente de match, on a marqué très tôt. On a marqué un deuxième but, un troisième but, mais après on s'est fait prendre. Si un ballon anodin venait de nulle part, je pense qu'il faut qu'on reste concentré. Parce qu'en football, tant que le match n'est pas fini, c'est pas fini. C'est vrai qu'on est bien dans le match. Moi, je pense que ce n'est pas des buts qu'on doit prendre en cours de match. Ouais, je vais apporter les correctifs pour essayer d'être encore mieux en deuxième mi-temps. Essayer de marquer le 4e but pour être beaucoup plus rassuré, quoi. On a vu que le vent apparemment est à votre faveur. Est-ce qu'en deuxième période, ça ne va pas être compliqué? Ouais, je ne sais pas, tu sais, avec les jeunes, on ne sait pas. Ce qui est important, c'est que nous, on va apporter les correctifs en tant que coach pour qu'on soit beaucoup plus concentré, qu'on joue notre jeu. Et les possibilités qu'on aura de marquer, qu'on essaie de les concrétiser. En tout cas, je sais qu'il y aura des occasions, mais il faut qu'on les marque.
être sûr encore, parce que rien n'est encore joué sur ce match. Voilà, coach, bonne chance pour la suite. Voilà, nous sommes là, Tcherno, ici au stade de Thiès. Patsy Dido, voilà, on a vu le stade de Thiès, en tout cas, qui fait peau neuve, le stade de la Dior, avec véritablement des sièges installés ici. Et progressivement, ce stade va, en tout cas, être mieux fait, parce que c'est le stade qui accueille actuellement les matchs internationaux, que ce soit pour l'équipe A ou comme pour les équipes de petite catégorie. Donc, Tcherno, ici, à Thiès, au Sénégal, mène par 3-1. Mais ce n'est qu'un score qui est, disons, acceptable pour le moment, vu la physionomie du match, puisque les Lionceaux ont dominé de fond en comble. Mais encore une fois, c'est la Gambie. La Gambie a remporté des cannes. Le Sénégal, jusqu'ici, cherche à faire mieux. Mais comme Tcherno, tout à l'heure, on l'avait souligné, il est question d'une qualification à la prochaine CAN qui va se jouer au mois de mars au Maroc. Les deux finalistes vont se qualifier. Donc après la Gambie, le Sénégal devrait faire face à la Mauritanie puisque c'est une poule où il y a trois équipes. Et tout à l'heure, il y aura également le match Sierra Leone-Guinée. Donc, ce sera à 17h. En attendant, nous autres ici, nous allons essayer de voir ce qui va s'en suivre, puisque à Thiès, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais encore une fois, le public suit pertinemment ou suit en tout cas avec grande importance cette rencontre. On le sait très bien, le Sénégal en petite catégorie depuis quelques années, il y a quand même des pas de géants qui ont été faits. Donc, dans un instant, dans un court instant, certainement moins d'un quart d'heure, ce sera la reprise ici à Thiès. En attendant, nous rendons l'antenne pour la suite des programmes.